Bonjour à toutes et à tous, ici Tatsu et bienvenue chers amis dans Shop Simulator Supermarket. Oh dis donc, c'est qu'on a plus de pommes vertes. Oh, il va pas falloir les... Ouais, il y a que moi qui suis capable de les... de confondre avec les pommes. Bon bref, bienvenue dans votre quatrième épisode de Shop Simulator. C'est pas celui-là. Ça en fait de la pub dans ce jeu, mais c'est Shop Simulator. Est-ce que c'est marqué? Pas du tout. Shop Simulators, Supermarket, et on a une petite épicerie. On est passé en épicerie. C'est important, je déteste ces murs blancs. Oh, il y a une caméra maintenant. D'accord. Qui c'est qui me surveille? C'est Big Brother? Tu surveilles quoi? L'entrée? On a eu des soucis? On a eu des vols? Enfin bon, bref. Voilà, encore... Encore un petit épisode ou deux, voilà, moi j'apprécie le jeu. Il y a ce calme dans le jeu qui est très appréciable. Le jeu est assez réaliste, commercialement parlant. C'est intéressant pour moi, voilà, c'est intéressant. Autre chose, on m'a dit, Tatsu, t'as globalement débloqué la licence d'avoir un stagiaire, mais tu n'as pas été prendre un stagiaire. C'est très intéressant, parce qu'en fait, il avait raison. Alors, j'avais pas énormément de pognon, mais quand j'ai eu du pognon, bon bah, je l'ai pas fait. Maintenant, le stagiaire, on va voir ce qu'il va faire, en fait, tout simplement. C'est pas la peine de réfléchir sur le pourquoi du comment. Employé, Kevin, parfois accepte son prénom. Parfois du mal à accepter son... N'importe quoi. Moi, on habite en province. Moi, j'ai découvert que 30 balles par jour, 19, c'est Frankie. Employé, calme, mais sophistiqué. D'accord. Niveau 5, niveau 10. Bon, on va prendre Kevin. Embauché comme caissier. J'ai découvert que les... Vous êtes déjà là, Kevin? Dans la vache. Ok, bon, bref. Non, parce qu'il a une tête, il fait un peu peur. Kevin. C'est pas grave, hein? Mais il fait un petit peu peur. Voilà, c'est une petite capture d'écran. Il fait flipper. Donc j'ai découvert, il n'y a pas très très longtemps, que bah, le prénom Kevin, voilà, c'était un petit peu les beaufs, c'était un petit peu... Et que dans les milieux un peu parisiens, il se moquait un petit peu de ceux qui s'appellent Kevin. C'est d'une stupidité. Enfin, c'est tellement... c'est du mépris de classe, en fait. C'est tellement du mépris de classe. Bon, j'avais des amis qui s'appelaient Kevin en classe, mais c'était après les... Après, Danse avec les loups, avec Kevin Costner, l'incroyable Kevin Costner. Donc forcément... Putain, c'est vrai, j'avais de l'eau, j'oubliais, il fallait qu'on achète un frigo. J'oubliais, j'ai complètement oublié le frigo. Bon bref, et forcément, il y a eu un tas de Kevin qui sont arrivés dans les maternités. Un très très joli prénom américain, bon, anglo-saxon, disons-nous. Et puis voilà, il y a un mépris de classe là-dessus, c'est bizarre. Je sais pas, c'est parce que c'est des gens qui étaient forcément de milieu modeste et voilà, qui étaient sensibles à la culture américaine. Je trouve que c'est ridicule, voilà. Et puis sur internet, quand je jouais à World of Warcraft, j'ai un ami qui était absolument adorable, d'ailleurs qui était pompier depuis je sais pas combien de temps, qui a sauvé des vies, des vraies vies. Il s'appelait Kevin. Du coup, ah ouais, je sais, vous allez vous moquer. Pourquoi tu veux que je te moque? Quel moment tu crois qu'on va se moquer de toi? Enfin, on n'est pas des Parisiens. Déjà, on n'est pas des Parisiens. Voilà. Moi, j'ai découvert ça complètement, voilà. Et puis, il n'y a pas très très longtemps, en plus. C'est bête, hein. C'est complètement bête. Donc, voilà ce que je pense de cette situation complètement ubuesque. Mais on n'a pas ce mépris de classe en province, en fait, tout simplement. Je voulais en venir là, parce que, bon, on passe le... Jette le truc. On va pas se leurrer dans les autres, dans les grandes villes, voilà, c'est toujours un petit peu, voilà. Ce qui est marrant, c'est que ces gens-là, bon, voilà, ils votent très très à gauche parce qu'il paraît qu'ils ont un cœur énorme, mais ils arrivent à faire du mépris de classe. Bon, bref, voilà. Alors, bon, si vous connaissez pas Tatsu Game Show, quand j'ai un truc en tête, voilà, je déballe parce que bon, en travaillant comme ça, c'est bien de parler un petit peu. Sinon, vous, ça va? Dites-moi en commentaire si vous allez bien, voilà. Est-ce qu'on manquerait pas de pain? On manque un peu de pain, hein. Est-ce que j'ai du pognon pour du pain? Beauf, hein. Par contre, il faut qu'on achète un frigo. Et ce serait bien de l'avoir pour demain. Oui, parce que le frigo est assez nouveau, hein. Le frigo est assez nouveau. On a débloqué la licence, justement, pour avoir le fridge. Et du coup, il me faut un frigo, il me faut 89 balles. Bah, demain, globalement, on va garder les 40 balles là. Par contre, Kevin va me coûter 30. C'est intéressant. Bon, Kevin, vous restez là, moi je rentre à la maison, hein. Bienvenue, hein. Bienvenue.
Ah merde, est-ce qu'il m'a coûté 30 balles là? Je viens à peine de le. Oh, j'espère bien que non. Débloquer la licence écran enchanté. On va surtout ouvrir. C'est bien, dis donc, j'ai pu faire la caisse. C'est formidable. Je peux me balader, c'est merveilleux. Même si ça coûte un peu de pognon. Alors le prix du jus est 15% moins cher. On parle bien du prix d'achat par contre. Il faut vérifier un petit peu quand même, histoire de. Que ce soit pas trop. Ouais, ça c'est bon. C'est... Autant se mettre tout de suite au prix, quoi. 29, les pâtes. Les pâtes, je les ai justement baissées exprès pour qu'elles partent, parce qu'on en a besoin dans les quêtes. On a besoin qu'elles partent dans les quêtes. Tu vois, j'ai plus beaucoup de jus, j'ai plus beaucoup de machin. Bon, alors Kevin, il bosse bien. Allez, il va falloir s'accrocher, Kevin. T'as, Kevin a l'air de vouloir se foutre en l'air. Le pauvre. Allez, Kevin, on y va. Hey, là, moi, je veux du dynamisme. Oh, il est plus rapide que le gars dans TCG Kart Simulator, quoi. Il est quand même plus rapide. Putain, j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui tombent. Bon, allez, je serai forcément plus rapide, mais c'est pas grave. Voilà, au moins, j'ai plus rien à faire. C'est débile, d'ailleurs. Bon, bref, on a de l'eau, on a des gâteaux. On a vendu les gâteaux, on a vendu les gâteaux. Voilà, j'ai pu faire ça. Bon, évidemment, dans un futur proche, il y aura beaucoup plus de produits. Et il va falloir bien plus. Bah tiens, d'ailleurs, est-ce qu'on peut faire les... Pardon. On peut faire ça, par exemple, regarde. Oh, putain, la vache, ah oui, la liste. Jus de pomme, gâteau au chocolat, pain. Bah, faut déjà accepter, par contre. Oui. Le P. Ok, jus de pomme, pain de mie, pomme verte. Oh, c'est bon, ça bosse, ça bosse. Donc, pendant que lui, il fait ça, bah, moi, je peux faire ça. Alors, jus de pomme, pain de mie, gâteau chocolat, pomme verte peinée. Ah, par contre, c'est par un à chaque fois. Il y en a un ou il y en a trois. C'est par un. Jus de pomme, pain de mie, peiné, contenu de la boîte. Il y avait pomme verte aussi. Qu'est-ce qu'il y avait en plus? Ça va, pomme verte. PD gâteau chocolat, gâteau chocolate, pardon, et cette pomme verte, c'est celle-ci. Oh, on a plus beaucoup des pommes vertes, et voilà, 50 balles. C'est bien de traiter les commandes tout de suite. Alors, on a 145 balles, c'est bon, ça c'est très très bon. On va se faire le frigo, donne le fridge, give me the fridge, ok, et on va ajouter un froid. J'aimerais tellement changer les murs, je les trouve atroces. Compte quand tu... est-ce que tu clips pas trop parce que ça me fait flipper? Yay! On a enfin de quoi mettre les bouteilles d'eau. Par contre, seulement des bouteilles d'eau. Voilà, c'est d'un triste. Ça manque de couleur. En plus, moi, j'aime bien picoler de la boisson. Oh là, mon gars, le iced tea. Ah, ça dit, ça fait un petit moment que j'en bois plus. Je bois un petit jus multivitaminé. J'ai une boisson énergétique avec un taureau par jour. J'en prends pas deux. Mais sinon, je bois de l'eau pétillante. Voilà, j'aime bien l'eau pétillante. J'en bois pour me... comment dire? Pour me désucrer. What? What? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais passer en pause tout seul. Incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, le salaire payé. Mais non, mais faut pas dire oh. Il faut bien payer les salaires, OMG. Ah non, c'est parce qu'on a fini la journée. Et du coup, il a eu 30 balles. Et du coup, on est à 89 euros. C'est pas grave, on a acheté le truc. Ok, donc il est à 1 euro. Bon, on va le mettre à 1 euro. Prix du marché. Mercredi. Voilà. C'est très bien si on gagne 60 centimes là-dessus. Allez, messieurs, dames. T'as bien travaillé, petit. Enfin, petit qui a l'air deux fois plus âgé que moi, mais bientôt la retraite, hein. Ce qui est génial, c'est que il est télékinésiste. Du coup, il fait tout avec la puissance de son cerveau. Et ça, c'est beau. L'avenir, il est là. On ne fera plus rien à la main. La petite musique andalou, mon gars. Voilà, ce jeu, c'est un peu le déstressement de pommes vertes. Ok. Petite musique andalou, là, délicieuse. La guitare, ça, j'aimerais tellement pouvoir en jouer un jour. On a dit pomme verte, hein, il faut que j'en recommande, d'ailleurs.
Et voilà, monsieur, dame. Bon, plus 50 balles. On va chercher l'eau. Ah oui, non, déjà. Accepte la mission, bien sûr. Comment ça a bien géré le produit? Comment? Penny. D'accord. 2 balles. Mais du coup, s'il me file 50 balles pour une commande, alors que j'ai des penny à 2 balles, c'est quand même sacrément banger. Je gagne quoi là? Bon, je gagne 2 balles. En fait, voilà. Globalement, je gagne 2 balles. Mais il a laissé le produit plus 5 ans. Je sais pas ce que c'est. Peut-être de la. Comment dire? Si, si, le niveau du magasin. Le niveau du magasin. Bon, écoute, Kevin, je vais acheter du jus de pomme, ah, des penne, des. Voilà, globalement, le. Ah, de l'eau. On en a déjà. Il va me falloir aussi des pommes vertes. Je fais tout. Voilà. Pommes vertes et clémentines. Pommes vertes, surtout, ça part bien. Hein. Alors. On va faire les. On va faire la mise en rayon, bien sûr. Alors, achetons les standards. Jus de pomme, c'est bien parce qu'il est pas cher. On va en prendre 4. Ah, mais je peux. Enfin, tu vois, j'ai pas assez de pognon pour faire ce que je veux. Les gâteaux, je crois que c'est bon. Les confitures, ah, 15, ouais. On va en prendre un. Les penne, j'en ai plus beaucoup. Le pain de mie, il va m'en falloir 2. Les fruits, j'ai encore du pognon. J'ai encore un petit peu de pognon. Les pommes. Ouais, autant en prendre autant. Hein. Regarde, ça coûte rien du tout. Les pommes rouges. Qui c'est qui tape comme ça? Oh, est-ce que c'est dans le jeu ou est-ce que c'est chez moi? Ok, bon bah je crois que c'est bon, hein. Je pense que c'est bien. Enfin de toute façon on a tout dépensé là. On a tout dépensé. J'espère qu'on va vendre correctement demain. Ouais, sinon ça va. Attends, mais j'ai l'impression d'avoir perdu une pomme par là. Propre plein prix, bien sûr, tant que t'as de la place sur l'étal, il faut étaler, comme dit le mot. Ah mais la vache, j'ai du boulot là. Petite musique. Alors, normalement, le jeu il se joue à plusieurs, donc bon, je sais pas qui c'est que je vais embêter, mais faudra quand même. Alors, quand on prendra un petit peu, quand on fera une expansion économique, bien sûr, où on aura un grand magasin, ce genre de choses, il va sûrement te falloir du monde. Ben, on verra. Je dis ça, je suis pas sûr de continuer, tout ça, on verra. On verra. Ben, après, est-ce que ça vous plaît pas. Je n'ai même pas regardé les vues. Même pas regardé les vues, ça se trouve, ça vous plaît pas du tout, et puis je le fais quand même, quoi. Si ça se trouve, je fais ça pour rien. Mais bon, enfin, sur le principe, je fais jamais ça pour rien. Voilà, il y a un jeu qui me déplaît pas dans l'absolu. Allons-y, quoi. Ça va, Kevin? Kevin, il est mort à l'intérieur. Kevin, on s'est tellement moqué de lui, le pauvre. Hey, Kevin. Courage, on se suicide pas, surtout. Oh, j'ai vu un petit film hier sur le Québec. Et trop mignon, trop cool. Ça s'appelle Tout Stocké. Avec. Ah, putain, Benoît Poul. Non, pas. Pas du tout, pas du tout. Oh putain, mais comment je. Non, 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 j'adore l'acteur français. Oh, t'es sérieux? T'as oublié le nom? Oui, j'ai complètement oublié. Je l'ai sur le bout de la langue. Dans Astérix Obélix, il a été cette tirade absolument fantastique sur. Je chante la vie, je danse la vie. J'ai très envie d'apprendre par cœur aussi pour la réciter. Mais. Oh, putain, pas du tout, pas du tout. Je déconne. Édouard Baird, Édouard Baird. Voilà, c'est comme Stéphane Baird, mais c'est Édouard. Oh la vache, putain, j'ai. Et franchement, le film est trop mignon. Voilà, c'est une petite fille qui fait un concours de cuisine. Édouard Baird est un grand chef cuisinier. Et la maman, elle est douanière. Et c'est trop trop cool. Vraiment, c'est trop trop cool. Et on a une petite vision du Québec. Bon, après c'est un peu la vision du comme on l'imagine, quoi. Ils sont tous trop adorables. Mais oh la vache, le film était trop cool. Je vous le conseille vivement. Je me suis régalé. J'ai une petite larme à la fin, c'est trop mignon, voilà. Mais voilà, quand la France des concours rencontre le Québec de. Comment, ah non, donne. Le Québec de la campagne, franchement, trop bien le film, hein, vraiment. Hein. Un banger, un petit banger, une super soirée, regardez ça, voilà, trop bien. Trop trop bien. Hop là, quand tu veux. Il me manque un pain. Il me manque un pain de mie. Oh, putain, le propre plein prix. Oh, putain, ça me stresse. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a encore du juice. Juicy. Apple juicy. Voilà, le jus de Mintos.
Nous vendons du jus de Mintos. Hop là. Alors, hop là, du jus. Du jus, du jus, du jus. Voilà. Alors, j'ai un ami qui est passé en Bretagne, il est passé à l'Arcadia. Il savait pas du tout que c'était JDG. C'est juste que dans la région, maintenant, l'Arcadia, qui est globalement le bar de Fred et de Seb, les JDG qui ont ouvert ça, est devenu célèbre parce que les décors sont très aventure, sont très décors de pirates. Et donc, il est allé comme ça en mode « Ah, ça va être sympa, on va... » Puis je me dis « Oui, mais attends, c'est pas n'importe quoi, voilà, c'est le truc du JDG, pas rien. Ah, puis il me manque un petit peu de confiture, est-ce qu'on a conduit pour nous ?» Non. Et puis en fait, il savait pas du tout, ni pour le jus de Mintos, ni que c'était... En plus, comme il est tout jeune, il a 20 ans, et c'est à peine s'il connaît Fred Dugrenier. Oh la vache, les JDG, c'est à peine s'il les connaît, oh, c'est terrible. J'ai mon petit cœur qui sait. On a fait 150 balles, tout en donnant 30 balles de salaire. Bon, allez. C'est bien, tout est détaillé. Allons-y. Et on a franchement largement de quoi faire. Ok, oui, alors. Ouais, du coup, qu'est-ce qu'il y a? Prix d'achat des clémentines au plus bas. Ça, c'est bien. Nouvelle commande. Ouais, ça, c'est ok. Prix d'achat des clémentines, c'est tout. Sinon, on est à 30. Ah, les clémentines, j'ai pas pu les commander. On avait plus de sous. C'est dommage. Et donc voilà, je lui ai donné le code pour commander le jus de Mintos, voilà, histoire de... On n'a pas vendu une seule bouteille d'eau, c'est terrible ça. Oh non, mais c'est... Ah, papy est petit, dame elle est grande, forcément. Quand je suis assis, je vois pas tout ça. C'est marrant. Ça va, il est content, monsieur? Ils sont partis contents, ça c'est bien. Bon, et ça, il y a encore des trous là, c'est pas possible, il nous faut du nouveau. Il nous faut du nouveau. Alors, avant d'avoir encore plus de choses à mettre en place, il faudrait au moins qu'on soit bien plein là-dessus. Écran publicitaire, je crois qu'il me faut, pour la licence, qu'on avance sur, pas ça, ça. Donc l'écran enchanté, dépeigné, ça c'est bon, encore un tout petit peu, pas Z, et il m'empêche de prendre l'écran de publicité qui est ici. Ça c'est pas possible, pas possible. Ah si, vraiment je crois que ça c'est possible maintenant. Sans doute, pas du tout, je vais me faire, pas du tout. J'ai acheté ou j'ai pas acheté? J'ai pas acheté. J'ai pas regardé, je pas du tout. Débloque licence, ok. Quantité 1, 2, non mais 1 déjà, hein. Non je peux pas, ah oh, t'es chiant, ok, supermarché à la con, ça c'est bon, ils sont contents, il y en a un qui dort, ouais, bon encore un tout petit peu, sans doute c'est aujourd'hui peut-être d'ailleurs, enfin ce soir du coup, mais en attendant, bah faut attendre, oh ceux qui sont bien pleins ces casiers là, qui sont bien pleins, on est 2h de l'après-midi, on a fait 57 balles, mais... Ah monsieur, il est content, il a acheté son juice. Bah oui, ça c'est parfait. Elle fait moins flipper. Vous venez acheter des trucs, madame? Vous allez manger des... Vous êtes trop occupé à manger des âmes, d'accord. Voilà. Ah bon, on a une commande, on va l'honorer. On a une commande. Oui, tu vois, les clémentines, c'est le moment de les acheter. Bon, écoute, franchement, allons-y. Hein. On a quoi? Oh, c'est bon, 5. Clémentines, c'est largement le moment de les acheter. Tu. Et voilà. On met les plus fraîches en haut, bien sûr, pour rester... Pour rester réaliste, bien sûr. Je sais même pas combien de joueurs on peut avoir sur ce jeu. Alors je me dis que ce serait un bon jeu pour le groupe du lundi, mais tu commences tout petit, ça n'ira pas. Ça va aller, monsieur? On me colle parce qu'on a envie de me coller, gros dégueulasse. Putain, des fois, t'as des gens beaucoup, beaucoup trop collants. Après, t'as... Oh, putain, la vache. Je me souviens d'un type qui était, mais blindé de thunes. Blindé de thunes. Bon, après, il avait pas, comment dire, la lumière à tous ses étages. Tout en restant poli, parce que c'était vraiment quelqu'un qui avait des problèmes cérébraux. Il n'était pas accompagné ou sous un tuteur ou quoi que ce soit. Et puis il venait avec des chaînes en or et tout. Et puis il fait, regarde, tu vois, j'ai les moyens. Moi, je m'en fous. Je dépense s'il faut. Par contre, qu'est-ce qu'il était? Il était collant, mais au sens propre. Hein.
au sens propre. Voilà, il te collait, il te faisait comprendre que t'es gentil. Il puait de la gueule, évidemment. Et puis il postionnait aussi. Oh putain. Et à chaque fois que je reculais, il avançait. Oh là, mon Dieu. Oh, je m'en souviens. Terrible. Terrible, terrible. Finalement, on lui a quand même fait un peu dépenser de l'argent. C'était pas mal. Évidemment, c'est le métier qui veut ça, bien sûr. Chers amis, ça va aller, Kevin? Ah, Kevin, il a l'air au bout de sa vie. Kevin, regardez. Vous avez des jolies filles en face. Allez, faut se bouger un petit peu, OMG. Quand même, quand tu travailles dans la vente, t'envoies de belles personnes, là, par-ci, par-là. Oh là là. Bon, ça c'est bien, on a commandé. Maintenant, faisons ça. Faisons ça. Deux gâteaux au chocolat. Allons-y. Hop, la donne. Gâteau au chocolat. Je crois que j'en ai encore. Je crois que j'en ai commandé. Pas du tout. Il va falloir, hein. Il va falloir gâteau au chocolat. C'est bien parti aujourd'hui, les gâteaux au chocolat. Ok, deux penées. Ah, attends, est-ce que je me suis pas gouré sur le gâteau? Non, deux, seulement deux. Deux penées, deux pains de mie. Alors attention, c'est quatre articles. Oh, la petite musique trop calme. Deux penées, deux pains de mie. Allez! Et voilà, plus 50. De toute façon, on n'a pas l'expérience sur ce goût. Hein. Alors, Q99C, deux pommes rouges, 3 balles. Putain, on fait toute une livraison pour 3 balles. Deux pommes rouges. Et voilà, bonjour chez vous. Bon, et Kevin. Kevin, écoute, je vais me rentrer. Je vais me rentrer parce que demain, il y a peut-être du changement. On a gagné quand même 150 balles. C'est moi, il y a peut-être 30 balles de... Oui, bon, est-ce que c'est vraiment nécessaire, Kevin? Non, au moins on fait travailler quelqu'un, voilà. On participe à l'économie locale, voilà. Alors, prix d'achat des pommes est redevenu à la normale. Ça tombe bien, j'en ai acheté plein. L'eau, ah, attends. Prix de l'eau du marché. L'eau est à 40% supérieure. Dans le marché? Ah oui, d'accord. Ah oui. Je vais éviter de le mettre à 140. Oh, est-ce que j'avais pas mis à 100? Enfin, je veux... Ouais, est-ce que j'avais fait ça? On en a vendu. Si on en a vendu, c'est que c'est bon. Alors, j'avais vu la dernière fois, j'avais mis à 180 balles. Ça va, c'est bon. J'ai compris. De toute façon, franchement, hey, qui a envie de vendre à des pauvres, hein? Donc, tu mets à des prix excentriques, complètement barrés. Au moins, t'es sûr d'avoir une clientèle haut de gamme dont tout le monde rêve, hein? C'est marrant parce que il y a beaucoup de commerçants et de machin, ils pensent je vais vendre qu'aux riches et ça ira très bien. Moi, je peux te dire, j'ai eu des riches, ils sont exigeants sur tout, sur le prix, sur la qualité, sur le service. Pff, c'est un truc de dingue. Et on me croyait pas, mais j'ai eu une famille qui était extrêmement. Ils avaient des bagnoles à 500 000 balles, d'accord? Il venait en famille, papa, il avait une Porsche, là, le 4x4. Qu'est-ce que je fous ici, moi? Alors, faut ouvrir, mais bon, bref. Maman, elle avait une Mercedes, la fille aussi, et ils venaient tous à leur tour. Voilà, tu vois, ils venaient tous à leur tour. Attends, je crois que c'était le pain de mie qui me manquait, de la marmelade, et puis... Bon, niveau fruits, on est pas mal, là. Mais, bon, ils achetaient, hein. Attention, ils achetaient. Bon client. Rien à dire, bon client. Juicy. Par contre, mais qu'est-ce qu'ils sont exigeants? Un jour, ils voulaient l'iPhone 14, 15, le 15 qui venait de sortir. Ils voulaient un Pro Max. Moi, j'appelle mon fournisseur. Je lui trouve un 15 Pro Max, nickel. On avait des tickets chez lui parce qu'on avait des téléphones qu'on avait renvoyés. Le pain de mie. Et donc, on était content parce que on avait globalement. 100, on avait 300 balles dessus, de marge, voilà, on avait 300 balles, le téléphone coûtait 1400 balles, nous on avait payé 1000 et des poussières, on avait 50 balles de marge sans le truc, putain, mais la vache, il a réussi à trouver sur Amazon un téléphone qui était plus ou moins équivalent, et qui, bon, c'était aussi un 15 Pro Max, mais d'une certaine couleur, et livrable dans les 2-3 mois. Il le voulait au prix, c'est-à-dire on a dû lui faire à 200, 1250, c'était terrible, hein. C'était terrible, mais on pouvait pas dire non,
pouvais pas dire non, parce que bon, de toute façon, ce genre de client, tu peux pas les mécontenter. Surtout, surtout pas. Oh, mon Dieu. Et puis, il y a un moment donné, sa fille, qui voulait très fortement croquer un petit bout du tatsu, hein, si tu vois ce que je veux dire. Elle m'avait pris une tablette qui n'était pas une Apple, qui était juste... Ils juraient que par Apple, hein. Ils ont plus ou moins raison. Mais ils m'avaient pris une Surface Pro, mais magnifique, hein, un truc de dingue, hein. Et elle en a juste eu marre. Elle m'a dit, ouais, mais le truc, il bug. Écoute, j'ai fait tous les tests possibles et inimaginables. Il buguait absolument pas. Bah, écoute, je lui ai quand même pas fait un remboursement. Je lui ai fait un ticket et elle a pu prendre la tablette Apple qui lui plaisait, qui venait d'arriver dans mes rayons. Donc voilà. Ça, c'est... Sachez que si vous êtes commerçant et que vous pensez que les gens exigeants, enfin les gens riches, vont être de bons clients, vous avez raison. C'est pas de mauvais clients, loin de là. Par contre, ils sont exigeants à mort. Le moindre centime qu'ils vont pouvoir le gratter, ils vont le gratter. Et d'ailleurs, pour l'iPhone 15 Pro Max, il avait un téléphone que je lui ai vendu. Un téléphone que je lui ai vendu, qui était un Samsung, je crois que c'était un S22 Ultra. C'était un super téléphone. Il a fallu faire toutes, pas les mises à jour, mais le transfert que normalement on ne fait pas, parce que ça prend du temps. Ça prend de l'énergie et je voilà, tout ça, c'était même pas la peine de lui demander. C'était même pas la peine de lui dire, je peux pas vous faire votre transfert de données. Si tu le fais, c'est tout. Il n'y a pas moyen de discuter. Et il fallait évidemment les protections et tout. Tout ça, ça a été offert. Les gâteaux, j'ai oublié de commander les gâteaux au chocolat. Sachez, quand vous savez une personne qui a du pognon, il n'y a pas moyen, Jaja. Hein. Faut être là et pas qu'un peu... Après, c'était une belle expérience, quoi. Voilà, c'est toujours... Quand tu fréquentes ces gens-là, c'est toujours une belle expérience. Et puis, Mazette, je peux te dire qu'on a appris des choses sur grand-père, hein. Quand je dis il est président par-ci, il est président par-là, président directeur général, trois grosses sociétés, mon gars. Comme dit, la fille, c'était pas extraordinaire, mais voilà, peut-être que Tatsu aurait pu... J'ai envie de dire, mais bon, c'est tellement pas mon truc, vous n'imaginez même pas. Bon, normalement, tout va pour le mieux, dans le meilleur des mondes, tout est plein, moi, je vous raconte ma vie comme d'habitude. Kevin, mon Kevin, il bosse, hein, mon Kevin. Allez, concentre ton esprit là-dessus, et fais du bon boulot. Voyons voir, on a 39 balles parce qu'on a fait les commandes, mais cette fameuse licence pour avancer, est-ce qu'on va y arriver? Facture, loyer, on est à... Oui, je vais te les payer, tes 3 euros, c'est pas un problème. Je vais te les payer, licence. Ouais, c'est celle-là qu'il me faut. On y arrive, hein, putain, doucement, mais sûrement. Doucement, mais sûrement. Bah, sans doute pour demain. Écoutez, que dire. Sans doute pour demain. Oh, regarde la petite dame, elle est toute petite, toute mignonne. Ah bah, hé, dis donc, et quand ces vidéos vont sortir, ce sera Halloween, on sera le 31. J'espère que vous avez prévu les bonbons. Moi j'aime bien, t'as les petits qui viennent, ils sont déguisés à cadra, le truc c'est ridicule, des fois ils volent des bonbons. Je mets des coups de pied, c'est pas vrai. Mais des fois t'as envie. T'as envie, tu dis, hey, moi j'ai pris 50 balles de bonbons, voilà, je tiens à voir des déguisements à peu près corrects. Bon, bah, tu peux toujours leur dire, il faut quand même allonger les bons becs. Alors, voyons. Le juicy. Eh, dis donc, il n'y a plus de peiné. Putain, il n'y a plus de peiné, j'y crois pas. Vraiment, à force de vous parler, voilà, regardez. Regarde, je fais du caca. Pas bien, hein, c'est pas bien, c'est pas bien. Et puis, en plus, on l'achète au prix fort. Oh là là, gros boulet. Je crois que... Non, pas du tout. Tu remplis deux cases, quand même? Bah, tant mieux. Non, parce qu'en fait, le truc des riches, je suis tombé sur Instagram, quelqu'un qui voulait vendre des services, et il visait spécifiquement, hein, mais spécifiquement, les gens qui ont du pognon. Oui, bon, de toute façon, alors, si t'es dans un coin où il y a beaucoup de gens qui ont du pognon, peut-être que c'est plus facile de les viser directement. Mais en général, des fois, tu sais même pas que quelqu'un a du pognon. Tu sais même pas. Il y avait un type, alors il venait me vendre sa PS5, mais le type, voilà,
globalement, c'est un blédard, le mec. Vraiment un blédard, mais maigre, pas très très joyeux, pas très très machin. Or, il m'a parlé du fait qu'il composait des raps pour les plus grands, et il m'avait sorti toute la liste du rap français avec les photos qui allaient avec. C'était en discutant avec lui, parce qu'évidemment, je suis quelqu'un de très courtois, très gentil, mais c'est le mec, tu vois. S'il touchait trois mes objets, je l'aurais foutu dehors, par exemple. Tu vois, et tu l'imaginais pas, mais il était blindé de thunes. Et là, il venait me revendre sa PlayStation 5, mais parce que il en avait 5 à la maison, que ses deux frangins jouaient pas avec celle-là, elle était toute neuve, à peine déballée. À peine déballée. Et tu sais pas qui t'as en face de toi. Donc de toute façon, si t'es un commerce, tu sauras pas qui t'as en face de toi. En plus, les riches s'habillent pas en marque ni en quoi que ce soit. Ils essaient de passer inaperçus. Ça va, madame? Vous avez rien mis dans vos poches, là? Vous avez rien mis dans vos poches? Elle est vraiment la tenue de la voleuse, là. Avec le regard qui fait peur. Je vous mate, hein. Je vous mate, hein. Ok? Mais oui, il m'a fait sortir. Sans doute, il attendait que je devienne un peu dingue et un peu fan. Ah, machin, il a travaillé avec Booba, par exemple. Moi, je connais Booba. Il a fait des photos avec This is La Peste. Pareil, je connais pas sa musique. Enfin, c'est pas mon truc, tu vois. Mais voilà, donc tu peux pas savoir qui t'as en face de toi, quoi. Comme d'habitude. Est-ce qu'on fait des commandes? Je pense pas. L'eau, beauf. Ça part pas des masses. Ouais, t'as toujours cette quête. Ça va pas être simple, hein, vraiment, de faire cette quête. Elle me prend beaucoup trop de temps. La licence. Oui, mais on va faire le truc tout de suite. On va y arriver. Enfin. Par contre, revenu 160 balles. Revenu publicitaire, c'est bon. Ça m'a coûté combien? 103. J'ai pas assez de pognon. Je n'ai point assez de pognon. Je voulais faire un truc, là, que je devais faire là tout de suite. Attends, il y a ça à mettre en place, il y a ça, oui. Certes, les pommes, les fruits, c'est pas incroyable. Ah oui, il faut faire les commandes, Tatsu. Les commandes, je les avais vues. Bah demain, quand on aura 100 balles et des poussières, on va pouvoir le faire. On pourra enfin avancer. Gâteau au chocolat et deux confitures d'églantine. Gâteau au chocolat, deux confitures d'églantine. Gâteau au chocolat, une et deux. Et voilà. Après, évidemment, t'as les gens qui sont riches, mais qui sont un peu à l'ancienne. J'avais fait mon apprentissage en mécanique auto chez Mercedes-Benz. J'avais un monsieur qui roulait en ML, une voiture neuve. Grand monsieur, taille, et puis grand monsieur dans la GSUL et dans le voilà, jus de pomme. Je vais monter ces plaques d'immatriculation, je vais un peu nettoyer la bagnole. Et en fait, il m'avait filé deux pièces, on était encore en francs, à l'époque, de 20 francs. Ça faisait 40 francs. Ça, c'était le grand monsieur, tu vois. C'était très très grand monsieur, au sens propre comme figure. C'était l'apprenti, j'étais l'apprenti nul du premier jour, quoi. Et voilà. Mais ils sont rarement généreux. J'ai bossé chez des gens qui avaient. Mais directement chez eux, j'ai installé des vérandas. Et je peux te dire que c'est eux qui donnent le moins de pognon à la fin. Pain de mie. Les pourboires, ils détestent donner des pourboires. T'auras jamais de pourboires. T'auras même pas un café chez eux. Après, bon, je généralise évidemment. Mais j'ai eu de très très beaux chantiers. Des chantiers à 100 000 balles. Et on a bossé chez des gens qui avaient des voitures de luxe à 300 000 balles, quoi. Sans souci. Eh ben, les pourboires, tu peux... Même si tu te fatigues bien pour eux, hein, et ils le voient. Hein. On a fait moins qu'hier. C'est normal. Bon, 22 balles de revenus publicitaires. On a fait moins qu'hier. Alors, qu'est-ce qu'on a? Mais ouais, voilà, ils sont comme ça. Après, on m'a déjà dit, tu sais, les riches, ils le sont parce qu'ils savent gérer leur pognon. C'est aussi simple que ça. Prix d'achat est de 40% plus élevé. Alors, on parle des pouvoirs, là? Non. Bénéfice 1 euro. Donc, en fait, c'est marrant parce que on parle de 40% de plus pour les pouvoirs, donc ce sera pas le moment d'en manquer. Alors, c'est vrai qu'on travaille pour JDG. Hop là. Non, c'est-à-dire qu'il a descendu de 40%. Autant en prendre 2. Ouais, on a... Ah mince, on a juste 100 balles. On a juste 100 balles. Ouais, mais c'est 103. Je peux pas l'acheter. Je ne peux pas l'acheter. Bon, écoute, allons-y. Ouvrons le magasin et puis on verra au fur et à mesure. On a besoin de chocolat. Voyons voir.
Allez, allez, les enfants, là, faut venir acheter chez nous, là. Venez, viendez, viendez. Non, monsieur, ça va? Tête de tueur? Oui, tête de tueur. Oh, putain, la vache, ils ont l'air de faire une tête, regarde-moi ça. Vous, vous êtes des zombies dans un autre jeu. Moi, je le sens, je le sens. Regarde-la, elle. Ah, oh, elle, c'est vraiment la plus impressionnante. Enfin, bon, bref. Ok, il nous manque un tout petit peu de pognon à 103 balles. Merci. Donc oui, toi, quand tu peux le faire, apparemment, il te le marque. Ok, je sais même pas ce que c'est. Débloque la licence. Assistant, rayon. Oh, c'est pas mal, ça. 14, de l'eau. Bon, pas beaucoup d'eau, hein. On va baisser le truc, parce que je veux bien un petit assistant dans le rayon. Oui, mais du coup, on fait pas assez de pognon. Oui, on fait pas assez de pognon. Ouais, c'est un petit peu le problème. Clôture. Comment ça, clôture? Débloquer une nouveau décoration de ton magasin. Hein, tu vas me mettre des clôtures en bois nulles, aussi nulles que les plantes que tu m'as refilées. Click and collect. Oh, tu me... Ah, la pub, la 99 balles. On a les moyens, on n'a pas les moyens. Ouais, mais ça rapporte quoi, ça? Globalement, 99 balles, quantité modérée d'argent publicité gagnée. Modérée, ça veut tout dire, ça veut rien dire. Oh, je sais pas, il faudra peut-être qu'on attende 99 balles. Si ça rapporte un peu d'argent tous les jours, c'est banger quand même. Hein. Tu vois, je peux pas multiplier les pubs pour le petit jeu, là, mais peut-être qu'une belle pub... Ça va, madame? Ça, c'est un petit gothique, là. Allez, mon Kevin, là, on se... Regarde-moi ça, c'est beau. Je vais pouvoir payer ton salaire aujourd'hui. Bon, mine de rien, 30 balles par jour, ouais, t'as un petit smig, voilà, t'as un petit smig. Enfin, en même temps, c'est une toute petite supérette, attention, attention, on n'a pas les moyens, Kevin, on fait ce qu'on peut, comme on peut, hein, bro. Ah, j'ai envie de lui attraper les épaules et de le secouer, tu sais. Ah, mon bro, il a dû taper dans le dos, là, comme je fais d'habitude, avec les gens, pour les motiver. Allez, ça c'est, oui, non, mais... C'était une fille, finalement, la mec, dans Toy Story, non? C'est vrai, je sais plus comment il s'appelle, bon, bref. Non, c'est que ça consomme des fruits, là. On peut en mettre, les poires. Et justement, c'était le moment d'acheter des poires. Et des... Ouais, oh, ça va, je l'ai pas fait déjà 10 fois. Poussez-vous. Ok, et on a des commandes aussi à gérer. On peut les faire, on peut les faire. Allons-y, allons-y, fais voir. Que veux-tu? 2 pains de mie, 1 fois de l'eau. Je prends. Bon, c'est un petit jeu détente, c'est pour ça que je coupe pas trop, tu vois. 2 pains de mie, 1 fois de l'eau, hein. J'aime pas que ce soit vide. Non, par contre, j'aimerais bien du jus, là. Du jus de Mentos, mais pas seulement du jus de pomme, pas du coca, des machins. Je vais remplir ce frigo avec des saletés à boire. Clémentine et gâteau au chocolat. Bon. Hop là. Non, j'aime la couleur, moi, dans la boisson. Gâteau au chocolat. J'ai plus de gâteau au chocolat. OMG. J'y crois même pas. R. Alors. Bon, faut gérer. Standard. Allez. On avait 100 balles. Tant pis, ça c'est fait. En plus, c'était pas le moment de les acheter. Mais je crois que les gâteaux au chocolat ne sont jamais pas chers. Forcément, c'est des gâteaux au chocolat. J'ai pris la clémentine. Ouais, ça c'est parfait. C'est mis. Ok. Phil commence à bien se débrouiller quand même dans ce jeu. Ok, 2 penne, juice. Et pain de mie, 2 de pain de mie. Ok, penne fois 2, du jus et 2 fois du pain de mie. Allons-y, il va falloir qu'on en recommande. Et voilà, c'est fait. Ça va, mon Kevin? Ça, c'est un bon Kevin, ça. Il a bien travaillé. On a 105 balles. Oh, je pourrais faire des commandes. Ou je pourrais acheter le truc publicitaire qui va me rapporter du pognon. Attends, j'espère qu'il rapporte suffisamment de pognon, la pub. Je me demande bien ce que c'est. Est-ce que c'est une pub gigantesque? Pour leur jeu, that is the question. Putain, j'ai tout dépensé. Oh. Oui, ça doit être ça. Vous avez pas autre chose, là? Bah non, ils sont pas autre chose.
Bon bah, au moins on sait que leur jeu il va sortir. Il est pas encore sorti, il n'y a pas de date de sortie, j'ai regardé. Hein. Bon, allez, 15 sous, ça demain. Yeah, 159 balles. 14 euros de publicité, c'est pas génial. Hein. Excusez-moi, c'est pas génial. Hein. J'espère qu'on va regarder ce soir hein, combien ça rapporte. Bon, allez, Cavan. Qu'est-ce qui se passe? Prix d'achat de la clémentine est redevenu normal. Oui, mais. Oui, ça veut dire que le prix là, il a pas bougé. C'est chez le producteur. Gâteau au chocolat est supérieur à. Trois balles. Waouh. Trois balles le gâteau au chocolat. Ça tombe bien, j'en ai acheté. J'ai du pain de mie. De toute façon, ça, il faut que ce soit rempli. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je sais même plus. D'accord. What the heck? Combien de gâteaux j'ai acheté? C'est-à-dire que j'en avais déjà? Qu'est-ce que j'ai foutu encore? J'en sais rien ce que j'ai foutu. Oh, c'est pas grave, hein. Si ça le vend aux poupes, c'est que ça marche bien. Ah bah écoute, j'en ai plein. J'en avais acheté que deux. Voilà, tant mieux. Tant mieux. Bon, alors, globalement, du pain de mie, on en a là. Comme il faut avoir un petit stock, hein, il faut avoir un petit stock à propre plein prix. C'est super important. J'en ai encore deux. Là, il y en a, ouais. Aussi, c'est un banger, le pain de mie, ça part bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les pennés. Hop là. Alright. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les gâteaux au chocolat, le pain, c'est bon. Les confitures, normalement, il n'y en a plus. Enfin, il y en a, mais bon. Vous m'avez compris. Qu'est-ce qu'on a encore? Les pommes et machin, qu'est-ce que c'est là-dedans? Du pain de mie, non. Qu'est-ce qu'on a en dessous? C'est des pommes? Non, c'est des. Voilà. Et voilà. Tout le reste, on peut ouvrir. Hein. Ouvrons. J'espère que on arrive dans cet épisode à faire. C'est-à-dire débloquer la clôture. À 10 contre 1, ça va être moche. Je vous parie ce que vous voulez, ça va être moche. Voilà. Je ne supporterai pas que ce soit beau, vraiment. Il faudrait baisser le prix de l'eau. Il faut que ça parte. On a de l'eau, on n'a pas beaucoup d'eau, mais écoute, je vais le laisser à 1,10 centimes. Voilà, 1,10 centimes, il faut que ça parte. Faudra en recommander, ouais, mais je pense pas, j'ai 8 balles là, j'ai tout dépensé, j'ai tout dépensé de l'eau. 4. Bah écoute, c'est juste parfait. C'est juste parfait. Voilà, gestion bien sûr, gestion. Pardon madame, hein, excusez-moi, moi je travaille. Hein. Les gens me bousculent. C'est trop petit ici, c'est trop petit. Ah oui, c'est là. Ok, allez, encore aujourd'hui. Si on vend suffisamment d'eau, on devrait pouvoir avoir la licence pour l'assistant. Et l'assistant devrait mettre les trucs en rayon, je pense. Je suppute, bien sûr. J'adore ce mot, je suppute. Bon. Ça va aller là, ça vend un petit peu. Allez, il faut vendre mon petit Kevin. Pensez à votre salaire là. Vous avez de la chance, je peux pas faire de retenue dessus. Hein. Des pommes, je crois que j'en ai plein. Pas possible d'avoir un trou. Non, j'ai des bonnes pommes alsaciennes dans mon frigo là. Ah oui, je les mets dans le frigo. Parce que j'ai quand même, elles pourrissent moins vite. Et comme voilà, j'en mange pas tout le temps. Mais elles sont très très bonnes. Et on va faire une tout à l'heure. Hop là, et c'est parfait. Poire, le juicy, il est là. Les pommes vertes. J'en ai plus. Enfin, si j'en ai, mais. Hop là. Non, les pâtes. Les pâtes qui diminuent. On est à 66 balles, mais qu'est-ce qui se passe là?
Il est quelle heure? Il est 3h. Il faut avancer là, monsieur, dame. Venez acheter là, faut soutenir les petits commerçants, hein. Et peace and love, mets de l'amour dans tes achats. Ah, ça j'aime bien. Ça j'aime bien. Regarde-moi ça. Ah, c'est un bon client, ça. Tu rates rien, hein, quand tu mets dans le... Le pognon. Oh, faut bien faire payer, monsieur. Bien faire payer, monsieur. Bon, bah génial, on est à 100 balles. Bon, dis-moi que ça a vendu un petit peu, là. J'ai mis un prix... canon. D'ailleurs, ça, le prix est trop canon. Faut arrêter. Le prix est trop canon. Ça part trop vite. J'en ai déjà plus. C'est pas bien. Ah, j'ai encore 4 clients. On va aller faire les 150 balles. On a bien travaillé aujourd'hui, hein. On a très très bien travaillé. C'est marrant, regardez, ils sont frères, mais pas de la même coiffure. Ça, c'est drôle. Oh, les nullos, quoi. Il y a elle qui fait la gueule. J'ai l'impression qu'elle va me buter à chaque fois. 129. Génial. Bon, dites-moi, il y a de l'eau quand même, un petit peu. Ah, monsieur, il prend de l'eau. Ça fait plaisir. Madame, elle prend de l'eau aussi. Eh, monsieur, de l'eau. L'eau, c'est la santé, hein. C'est de la Volvic. Ça vient des volcans. C'est hyper minéral. Alors, on m'a dit que c'était vraiment pas bien quand c'est de boire de l'eau trop minérale. C'est des sujets à faire des calculs rénaux. Normalement, c'est pas mon cas, mais il paraît qu'il faut faire gaffe, quoi. Ok. Alors, il faut faire les click and collect, certes. Ouais, de toute façon, il va me dire quand je pourrai le prendre, hein. L'assistant du rayon, hein. Tu vois, c'est pas encore le cas. Encore 4 bouteilles, OMG. Ah tiens, et 2 bouteilles d'eau. Hey, jus de pomme et 2 bouteilles d'eau, génial. Attends, elle n'a pas encore acheté son truc. Oh, du jus de pomme. Ah, c'est 2. Est-ce que ça compte? Donne, est-ce que ça compte? Oui, ça compte. Oh, par contre, le coup, c'est quand 149. Oh là là, t'as 149, hein. Non, mais évidemment, toutes les nouveautés coûtent cher. Hein, toutes les nouveautés, on peut vendre un petit peu, là, tu vois, de l'eau et de péné. On peut vendre un petit peu, mais quand même, ça coûte cher. Hein. Et puis, tac, tac. Putain, oui, mais oui. Et 150 balles, c'est une fortune. Hein. Franchement, 150 balles, c'est une fortune. Je recommande absolument tout. J'ai 13. 2 pommes rouges et 2 gâteaux au chocolate. Alors, gâteau au chocolat, ça tombe bien. Ça se vend bien en plus. Pomme rouge. On avait dit pomme rouge, hein. Rouge, hein, les pommes. Oui, rouge, les pommes. Les pommes sont rouges. Bon, on a du pognon. 170 balles. Bon, ouais. C'est quand même, hein, 150 balles, ça. Oui, mais ça fait avancer. Voilà, ça fait avancer. Et donc, Il est où? Il est où l'assistant? Kevin! Il est où l'assistant? Standard. Ah, dis donc! Des crackers au fromage! 8 balles! Et on a des petits pois! C'est trop bien! Bon, les crackers au fromage, on peut en prendre? Ouais! Des petits pois! 10 balles, on a plus de pognon! Plus de pognon du tout! Quand tu dis l'assistant! Employé! On peut faire un prêt, l'actualité. Ah oui, bah oui, d'accord. C'est bien de suivre ça. Ça, c'est bien de suivre. C'est vraiment une belle arme pour gagner du pognon. Ouais, on va grandir. Bon, c'est pas le moment. Hein. Globalement, c'est 700 balles. C'est une fortune dans le jeu. Dans le jeu, c'est une fortune. Francky, est-ce que je pourrais apprendre à être employé calme, toujours léger. Embauché caissier. Licencié, embauché caissier. Mais ils sont où? On va parler d'assistant. Bah bravo. Mince alors. Bon bah écoute, je sais pas le pourquoi du comment. Je sais pas le pourquoi du comment. Il doit y avoir un système. D'ailleurs, on se fait encore la journée de demain, chers amis. On se fait encore la journée de demain. On a fait 180 balles, hein. On a fait 180 balles, c'est trop bien. Écoute, j'ouvre. Et puis, let's go. Moi je mets ça en rayon. Et puis je retrouve aussi un prix.
Green Pierce. Je savais même pas comment ça s'écrivait, ce truc-là, ce que c'est. On a ouvert, hein. Ah, ça commence déjà. Non, c'est ce que ça me coûte. Oui, non, c'est les gens qui achètent. C'est ce que les gens qui achètent. On a encore un peu de stock, normalement, non, ça devrait aller. Non. Comment ça, non. Jamais bon quand ils disent non. Oh, tiens, c'est marrant, je peux en mettre plus. Il doit y avoir un truc, il doit y avoir un système, là. Il doit y avoir un truc qui coûte un peu cher. Ok, ça fait 1,70. Là, on va faire 1,80. Là, ça fait 1,70. On va faire 1,70. Et voilà. Comment ça? Qu'est-ce qui coûte si cher que ça? Et pourquoi il a dit 60? On va le mettre à 1,60. Hein. La confiture, c'est quoi? C'est les... Ah, c'est les gâteaux. Non, c'est bon, les gâteaux. Les gâteaux sont toujours hauts. Les juicy. Non, mais c'est bon, il est où le souci? Oh, c'est l'autre, là, il fait la gueule. Qu'est-ce qui se passe? C'est le pain? Non, c'est pas le pain. Hein. Les gâteaux, c'est bon? L'eau? Non, mais l'eau, de toute façon, elle est pas chère, justement. Ah, d'accord, en effet. Elle est redevenue à la normale, donc je suis quand même 10 centimes de plus. Avant, elle était à 1,50, 1,40, je crois. Bon, bah, c'est parfait. Oh là là, par contre, j'ai plus de confiture, j'ai plus de... J'ai encore du pain, mais il manque plein de choses. Hein. Il me manque plein de choses. Attends, mais il faut vraiment que je vois. Mais il m'avait parlé d'un assistant. Ça m'aurait plu, franchement, ça m'aurait plu de déléguer, d'avoir plus rien à faire. Mec, c'est un fainéant. Oh, le jus. Le jus, j'en ai plein. Et j'en ai plus en rayon. Ça, c'est impardonnable. Si t'en as dans tes rayons que tu l'as pas mis, ça, c'est pas possible. Ça, c'est... Des gâteaux au chocolat. Ça va aller. Merci. Le juicy. Hop là. Et... Bon, c'est nickel. C'est nickel. Ok, on est déjà... Bah non, mais il est déjà 4h PM. Ça passe vite. Ça passe trop vite. Ok. Bon, on va les faire, ceux-là. On va les faire. Jus de pomme et pomme rouge. Allons-y. Il s'occupe des gens. Moi, je m'occupe des commandes. Parfait. C'est bien, mon petit Kevin. Ça travaille bien, Kevin. Kevin. Il faut que je fasse une miniature avec Kevin. C'est pas possible. Oh, petit Kevin. De l'eau. Deux fois. Le caissier en burn-out. Pardon, madame. Je travaille. Et de l'eau deux fois. Commande. Oui, 4 euros. Et un cracker au fromage. Premier client. Qui prend un cracker. Enfin, je sais pas. Sans doute que c'est déjà parti. Ouais. Ah, bah, dis donc, c'est que ça part bien en plus. Cette histoire. Pardon. Et voilà qui est fait. Bon, bah, on se souviendra que leur jeu sort quand même. Hein. C'est bien. Bon, bah, super, on est déjà à 125 balles. Ok, termine la journée. Rendez-vous dans le bureau. Oui, non, mais ça va, calme-toi. Alright. Qu'est-ce qui se passe? Alors, pour faire la prochaine licence. La pomme d'or, pas du tout. Épicerie. Les clôtures. On peut 109. Qu'est-ce que c'est quoi ça? Gazania. Qu'est-ce que c'est Gazania? C'est quoi ça? Attends, ça me dit quelque chose. J'en ai deux déjà. C'est des plantes. C'est des plantes à la con. Tu veux des plantes à la con? Gazania. C'est merde. T'en veux une? Tiens, je te la mets dans un petit pot comme ça. Si tu veux, hein. Non, mais moi, ça me pose pas de problème. Tiens, on va poser cette... Hein? Ah oui, c'est vrai qu'on avait fait ça comme ça. Bon, bah, allons-y. C'est bien, ça équilibre. Un petit équilibre dans la force, là. Et voilà. Stipa beau. Bon, que veux-tu? Attendez, c'est la dernière licence. Enfin, l'avant-dernière licence. Et 100 balles quand même, hein, Badin. Putain, ça coûte cher. Hein. Franchement, ça coûte cher. Hein. Avec 130 balles, moi, je peux refaire tout mon stock. Hein. Tout mon stock. Hein. Donc, du coup, on a des clôtures.
veux que je foute avec tes clôtures et tes bancs, quoi? Et des bordures droites, oui, mais bon, est-ce que je peux en acheter? Oui, je les mets où? Ouais, je peux t'acheter, tiens, un banc, un machin, voire même deux bancs, mais qu'est-ce que je fous avec tes bancs? Je peux pas sortir. Je peux pas sortir, tu veux que je les mette où, tes clôtures? Oh, oui, d'accord, oh là, le truc, oh là. C'est des cailloux, voilà, c'est naturel, c'est bien, c'est des cailloux. T'es content, t'as des cailloux? Ok, super, hein. Oh, écoute, pourquoi pas. Mettre ça là devant les fruits. Je peux mettre ça sur les cailloux. Bon, voilà, c'est le petit coin où les gens ils peuvent s'asseoir. Bon, quant à la clôture, voilà, j'ai déjà pas de place. C'est un peu débile, ça, je vous le cache pas. Bon, bah, chers amis, on va s'arrêter là. Voilà, on a deux nouveaux produits, les crackers. Les crackers, ça a l'air dégueulasse. J'aime pas trop quand il n'y a pas de parfum dessus, quand c'est pas un peu au fromage, tu sais, quand c'est juste, voilà. Les petits pois, mais c'est pas mal. Bref, voilà, on salue l'arrivée de Kevin, notre nouvel employé. Je vais voir un petit peu comment ça marche pour l'assistant, parce que c'est étonnamment étrange que je ne puisse pas l'avoir là-dedans. Attends, Kevin, enfin, le machin, oui, non, il n'y a pas d'autre. Voilà, on a, y a rien d'autre pour l'instant. En niveau employé, licence, machin, il n'y a pas un truc hein, ici. Il n'y a pas un truc. Voilà, il n'y a pas de... Il n'y a rien. On a gagné, on n'a rien d'autre. Hein. Peut-être qu'il va falloir une étagère de plus. Ce serait bien. Oh, les poires coûtent vraiment pas cher. Refroidissement, les publicités, on l'a fait. Là, il n'y a rien de nouveau. Oui, il n'y a rien de nouveau, globalement, par jardinière. Hein. Il veut que j'achète ça. 9 balles, j'ai pas de sous. J'ai pas les sous pour le faire. Revenons au jeu, mais j'ai pas les sous. Et je vous remercie infiniment d'avoir regardé cet épisode. J'espère qu'il vous aura diverti. Gros pouce bleu, gros abonnement et surtout gros bisous. Prenez soin de vous. Tchou tchou, bye bye. Et à bientôt pour de nouvelles aventures.